Putain, ça craint sur la prof de chaud. T'inquiète, elle fume sa clope d'or. Un, deux, trois. Allez où, Julien? La idole bestiaire des meufs. Ouais, ça fout pas poil, trop cool, hein. Ah, on a même vu les hanches de Ludivine. Hé, Lucas, je t'aurais plus devant Mélanie à poil, hein, pas vrai? Ouais, ça m'aurait plu de voir Mélanie à poil. Comme tous les autres, moi aussi je suis amoureux de Mélanie. Bon, pour une fois, c'est sûr, je fais pas le poids à côté de Julien. C'est l'exemple même du garçon que je ne suis pas. Il est sportif, bien foutu, et puis il a une vraie tête d'Apollon. En classe, il est pas plus con qu'un autre. Et pour Mélanie, je sais, c'est important. Elle, c'est la première en tout. J'ai bien vu tout à l'heure, Julien, il la bouffe du regard. Et c'est vrai qu'en un an, elle a vachement changé. On l'a tous remarqué à la rentrée. Mélanie, elle était mignonne, mais maintenant, c'est la bombe. Hé, hey, Mélanie. Action ou vérité? Je sais pas, Zach, t'es chiant avec tes questions. Allez, sois fan. Allez, action ou vérité? Je sais pas, action. Cap d'aller faire smack à gros Lucas. Non mais elle est pourrie ton action. Franchement t'es un gamin. Tu viens de son gars. Reviens, Mélanie, reviens. C'est bon, on déconne. Je suis un peu timide. Mes parents pensent que c'est à cause de mon complexe de poids. Ok. Mais quand on s'essouffle tout de suite sur un terrain de sport, on fait comment? C'est vrai que je m'impose pas, mais des fois, j'aimerais dire à Mélanie que je la trouve vachement jolie. J'aimerais faire des conneries avec les autres. J'aimerais bien rigoler aussi. Et puis, j'aimerais dire à Julien d'arrêter de me choisir en dernier quand il compose les équipes de hand. Wilfried. Mélanie. Tristan. Younes. Anthony. Yacine. Mon Lucas, tiré au cage. Allez, c'est parti, tout le monde en place. Et les gars. On occupe le terrain, on repère ses partenaires, allez, on se place, on y va. En défense, on y va, là. Allez, on passe, on passe. C'est la tête. C'est qui? On se place, on est bien. Tu viens goûter? Ouais, j'arrive. Les films de cul, je sais qu'on en voit tous. Comme dirait mon père, c'est de son âge. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est de penser que peut-être, toute ma vie, je ne connaîtrai que ça. Que jamais personne ne me regardera.
Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah rien. Ouais, on y va.